Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous de Mélodie de ma vie. Alors aujourd'hui, à Mélodie de ma vie, avec quelqu'un qui nous fait l'honneur de venir. Il a un emploi du temps extrêmement chargé. Il vient de terminer un nouvel album, Duo d'amour. Et ce quelqu'un, c'est monsieur Jean-Jacques Lafont. Bonjour Jean-Jacques, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Alors ça y est, vous... Toujours très bien quand je vous vois. C'est très gentil. Vraiment. Vous venez de sortir de studio, La galette est encore toute chaude. Duo d'amour, c'est votre nouvel album. Vous revisitez certains de vos succès, certains de succès dont, que vous vous êtes approprié. Exactement. Comme Le Premier Pape, par exemple. Pourquoi cet album? Parce que j'avais envie de me renouveler, quand même d'avoir des sons qui me conviennent, qui soient d'actualité. Et pourquoi des duos? Parce que c'est plus sympa de partager quelque chose. À deux, c'est mieux, quoi. Ouais, puis c'est moins fatigant. C'est ça. Surtout, c'est moins fatigant. C'est ça, le partisan du moindre effort. Et tiens. Puis, c'est que des gens que j'aime. Donc, sur scène, lorsqu'on a la chance de se croiser sur scène, on s'amuse sur scène. Et on partage cette joie avec les gens. Alors, c'est pas quelque chose de très guindé, toujours. Aujourd'hui, on va partager la joie de vous avoir avec nos téléspectateurs. Et surtout, pour mieux vous connaître, le principe de Mélodie de ma vie, c'est justement qu'un artiste se raconte au travers des artistes et des chansons qui lui ont donné envie de devenir ce qu'il est et ce qu'il est devenu. Alors, Jean-Jacques, on sait beaucoup de choses de vous et finalement, on sait très très peu de choses de vous. Vous êtes plutôt quelqu'un d'extrêmement secret. On vous a beaucoup, beaucoup... La France entière vous a découvert dans les années 80 avec une chanson qui s'appelle « Le géant de papier ». Et puis, il y a eu d'autres succès qui ont suivi. Mais c'est vrai que vous avez toujours été extrêmement secret. Si on peut percer un petit peu ce secret aujourd'hui, eh ben, j'en serais super content. Allons-y. Alors, ce qu'on sait de vous, bon, vous êtes natif de la belle ville de la belle ville rose, oui, et Toulouse. Comme un certain et Claude Nougaro. Toulouse que vous avez aussi chanté. On parle toujours du Toulouse de Nougaro, c'est vrai. Mais Mourir à Toulouse, c'est une chanson de vous qui est magnifique aussi. D'ailleurs, Claude, il n'aimait pas cette chanson. Nougaro, il n'aimait pas cette chanson. Il disait que c'est une petite chanson. Sympa. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça a dû vous faire plaisir. La chaîne, c'est vrai qu'elle est magnifique, ici hyper bien orchestrée. Et cette chanson s'appelle « J'ai eu beaucoup de difficultés à la passer en radio » parce que le titre, vous voulez l'histoire de la chanson, je peux vous la raconter. C'est Mourir à Toulouse. C'était « Mourir à Toulouse ». Donc ça a été pris comme une chanson de mort, tout ça, alors que pas du tout, c'était quand j'aurais fait le tour de la Terre, que j'aurais aimé, toutes les filles à aimer. Elle est magnifique, donc, cette chanson. J'en ai conclu que j'étais immortel. Vous l'êtes. J'irai mourir à Toulouse. Voilà. Alors, À quoi ressemblait votre enfance à Toulouse? Moi, j'ai eu l'occasion de croiser, de vous voir en famille une fois. J'ai l'impression que vous étiez un petit peu un enfant gâté quand même. Tout à fait. Je le revendique. J'ai eu la chance d'avoir une famille unie, des parents qui m'aimaient, que j'ai grâce à Dieu toujours avec moi. Qui vous aimait beaucoup. Que j'aime beaucoup, on échange beaucoup, que vous connaissez aussi d'ailleurs. Que j'ai le bonheur de voilà. croiser. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'enfant gâté. Donc, enfance gâté, pourri. Enfance heureuse, mais quand même responsable de... Je voulais m'assumer tout seul. Hein. Je suis pas quelqu'un qui profitait des avantages. Et à Toulouse, vous écoutiez quoi, gamin? Alors, à l'époque, on avait cette chance, à mon époque, de ne pas être submergé de chanteurs. Il y avait 4, 5, 6, pas plus. Hein. Donc, le plus grand, et pour moi, aujourd'hui, ça reste le plus grand, par exemple, Claude François. Ah, ça, c'était votre disque de chevet, gamin? Peut-être pas de chevet, parce que bien avant, il y avait Paul Naref. Qui me fascinait. On en parlera après. Ça n'a rien à voir. Mais Clo-Clo, on vous imagine pas devant la glace avec le sèche-cheveux en train d'imiter Clo-Clo. Ah, j'ai pas essayé le sèche-cheveux, tiens. Mais ou avec la brosse à cheveux. Je voulais pas être décoiffé. Mais c'est vrai, on vous imagine plus dans des préférences beaucoup plus calmes, beaucoup plus romantiques. Ouais, mais Claude François, c'était très très romantique. Ah, vous trouvez, vous? Oui. Et puis moi, j'étais fasciné par le personnage. Vous aviez quel âge lorsque vous écoutiez Belle. Dizaine d'années. J'ai écouté beaucoup plus tard que ça. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez écouté une chanson de Claude François? Vous avez un souvenir précis par rapport à ça? Oui, alors c'est très précis. En fait, je vais vous dire comment je l'ai découvert. À 16 ans, j'avais 16 ans, il y a quelques temps, pas très longtemps, j'étais chanteur de bal. C'était ma passion. Moi, je voulais être chanteur. J'ai fait des études de médecine, mais je voulais être chanteur. J'y suis arrivé. Quand on veut quelque chose, on y arrive. Et dans le bal, je chantais des chansons de tout le monde. Donc je connais tous les chanteurs de l'époque, je les connais, je les ai chantés. Et Claude François, c'était quelque chose qui m'allait bien à la voix, même tessiture. Voilà. Et après, on apprend à aimer la personne, les chansons. Et quand après vous êtes devenu professionnel et que vous êtes un peu plus attardé sur ce que représentait Claude François, qu'est-ce qui vous a fasciné chez ce personnage? La précision, tout ce qui est méticuleux, précis, il n'y avait rien de... Pour moi, ça me paraissait quelque chose... où rien n'était laissé au hasard. C'est un peu vous, ça? C'est un peu moi. C'est un peu moi. Différemment, mais c'est un peu moi.
Moi, j'aime bien les choses bien faites, précises. Vous êtes extrêmement comme ça, pointilleux dans vos enregistrements, dans vos arrangements. C'est ça, tout à fait. Et on peut dire que c'est Clo-Clo qui vous a donné envie d'écrire. Vous écriviez déjà à l'époque, vous commenciez à composer un petit peu ou pas? Ah oui, oui. J'ai commencé par faire du piano classique. Et à l'époque, moi, mon rêve, c'était d'avoir des chansons écrites par les plus grands, hein, dont Delanoë, qui est ici, dans cette maison. Oui, je rappelle que nous sommes à la SACEM. Ouais, c'est ça. Donc, votre maison. C'était leur fief. La Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, dont Jean-Jacques Lafont est un éminent sociétaire définitif. C'est ça, bien sûr. Donc il y avait tous les plus grands, Bourter, tous les plus grands qu'on a eu. Et vous vouliez au départ que ce soit les autres qui vous écrivent des chansons? Oui, parce que je n'étais pas sûr de moi, peut-être. Alors comme ils ne vous ont pas voulu, j'étais obligé d'écrire mes propres chansons. Et puis voilà, c'est passé. J'étais compositeur malgré moi. Jean-Jacques, vous nous avez parlé de votre enfance. Un petit garçon extrêmement aimé par ses parents. L'adolescence, ça ressemblait à quoi? On ne vous imagine pas rebelle avec des blousons de cuir et des chaînes de vélo? Non, parce que comme j'étais très sage, très, très doux, je faisais les choses en douce. C'est ça, voilà. D'accord. Mais quand même, c'est... mais vous les faisiez quand même, quoi. Quand même, oui. Alors, est-ce que vous avez monté un groupe de rock? Parce que dans les années 60-70, il y avait autant de groupes de rock que de paliers immeuble, quoi. Est-ce que vous avez donné aussi là-dedans, à Toulouse, dans les groupes de rock, dans la cave et tout ça, ou pas du tout? Non, j'ai pas. Ça revenait au même, de toute façon. Mais moi, dès l'âge de 16 ans, j'ai acheté un petit orgue électronique, oui. tout petit, à un orchestre qui existait, un orchestre de bal. D'accord. J'ai essayé le petit orgue, et ils m'ont pris dans l'orchestre de bal. Je ne jouais pas très bien, donc je chantais. C'est venu vous comme étiez ça. Chanteur et clavier. Chanteur et clavier. Et donc, vos premiers pas sur scène, c'est à l'adolescence, quoi, en fait. C'est ça, à 16 ans. Et vos parents, ils le voient comment, ça? Ils devaient être... Catastrophés. Catastrophés. Ils avaient pour vous mon fils, c'est de grands projets. Oui, bien sûr. Mais je ne les ai pas déçus, quand même, parce que j'ai été jusqu'au bout de mes études. C'est-à-dire que vous étiez bon élève? J'étais bon élève, mais tous les samedis, tous les vendredis, samedi, dimanche, hop. Et j'ai terminé dans le plus grand orchestre de France, le plus grand. Et les bacs blancs et tout ça, vous faisiez comment pour les réviser? Et les interrogations écrites dans le bus, parfois sur scène, quand je m'ennuyais. Quand on a 15 ans, 16 ans et qu'on se retrouve sur scène, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, je veux faire ce métier-là et rien d'autre? Ah oui, absolument. Comme je vous disais, j'ai terminé dans le plus grand orchestre de France et international. Vous faisiez l'Allemagne, la Belgique, tout ça. Carrière internationale, déjà, c'était dans les années 70. Et c'était les costumes à paillettes avec... digne des plus grands. Hein. On vous imaginait bien. Je pense que j'étais plus star à l'époque qu'aujourd'hui. Un petit peu la grosse tête, Jamais. Jamais. Non, j'ai toujours été comme ça. Ça ne me ressemble pas, ça. Je me suis toujours moqué de moi. Mais alors? Je me suis toujours amusé de moi. Moi, c'est un jeu. Hein. C'est toujours un jeu. Je fais ça pour faire plaisir aux gens, mais je me fais plaisir aussi. C'est l'artiste qui parle ou le psychologue là, qui parle? Non, c'est je ne me suis jamais servi de psychologie pour juger quelqu'un, pour faire quoi que ce soit. Mais ça donne quand même un certain recul sur ses contemporains quand même. Jean-Jacques Lafont, je ne sais pas si c'est toujours ça, il est diplômé, il est psychologue clinicien. Oui, donc ça veut dire que je m'occupais que des cas pathologiques. Non, mais ça doit quand même aider à avoir un certain recul sur les choses importantes ou pas dans la vie, quoi. Arriver à trier entre le bon grain et l'ivraie, quoi. Je veux dire, ça... C'est vrai. J'ai vu que dans ce métier du show business, il y a du travail à faire. Il y a du travail. Vous avez quelques cas en consultation comme ça, privé? Non, mais je pourrais. Alors, d'abord, j'ai une grande chanteuse qui me demande des consultations en privé. Je ne la citerai pas. Fichtre? Oui, parce que ça lui fait du bien, voilà. Je suis son psychiatre personnel. Ça, vous imaginez un peu le scoop que vous êtes en train de nous dire. Oui, mais c'est vrai. Jean-Jacques Lafont est non seulement un grand auteur et compositeur, mais en plus le psychiatre personnel. D'une grande star. Et d'une grande star, oui. de notre milieu. À quel moment vous avez dit, ce que vous avez le souvenir du jour où vous vous êtes dit, tiens, c'est ça que je veux faire? Il y a eu un événement déclencheur, ça s'est passé sur scène, il y a eu une chanson que vous avez chantée, vous vous êtes dit, tiens, je me sens bien là. Non, ça s'est passé sur scène parce que j'étais beaucoup en voyage, en fait. C'était une vie qui me plaisait, rencontrer des gens différents, voilà. Et quand on rentre un lundi matin après avoir fait le week-end de bal chez ses parents à Toulouse et qu'on leur dit, voilà, papa, maman, je vais faire chanteur, ils le prennent comment? On parlait jamais de ça. Même aujourd'hui, lorsque je sors des disques, je porte mon dernier disque, ils ne le regardent pas. Mes parents, ah oui, c'est pas mal finalement. Ils ne sont pas fiers de vous? Non. Peut-être intérieurement, mais pas démonstrativement. Mais très, très intérieurement. Très, très intérieurement. Bah, quand même. Quand ils sont tous les deux, il faudrait que j'écoute aux portes. Au moment de votre explosion, au moment du géant de papier, au moment d'Amour pour un autre, au moment d'Elle voit, ils ont dû être fiers quand même.
C'est-à-dire que pour eux, je ne suis pas assez haut. D'accord. Je ne suis jamais assez haut. Ça aide à rester oui. modeste. Ça. Alors que je vois certains chanteurs, ils ont leurs parents. Mais mon fils, c'est magnifique ce que tu fais. Il vaut mieux avoir des parents comme les miens. Ça met la barre, ça pousse toujours. Oui. Alors, dans les années 60-70, vous dites que vous chantez les chansons des autres. Et il y a quelqu'un qui est révolutionnaire à l'époque et que vous avez voulu entendre et revoir dans votre mélodie de ma vie, c'est Michel Polnareff. Alors ça, c'est ça. Pourquoi ça, ce choix? Alors lui, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans les mélodies, les orchestrations qui n'ont pas vieilli d'ailleurs aujourd'hui. Les textes quand même gonflés pour l'époque. Le côté avant-gardiste et provocateur qui montrait ses fesses et tout ça, ça vous a tenté ça un moment? C'était bien avant, hein, ça c'est bon. C'est, oui, montrer ses fesses c'est de 72-73. On le fait aujourd'hui, ça sert plus à rien. Hein. Vous avez pensé à un moment, vous, pour vous, une affiche à l'Olympia? On a pensé à tout. Je sais pas si et le genre de papier avec votre sang. Je suis pas sûr que ça aurait été raccord quand même. Je sais pas, je crois pas. Qu'est-ce qui vous a le plus touché chez Polnareff? Son côté provocateur, non? Non, c'est pas ce que j'ai perçu en premier, c'est le côté musicien. Musicien, puis dans tous ses concerts avec son orchestre magique. Vous vous amusiez, vous, sur votre clavier? Bien sûr. Et quelle grande mélodie de Polnareff vous a le plus porté, comme ça, vous a le plus donné? Toutes celles du début, Love Me, L'amour avec toi, tout ça, c'est tout le début, La poupée qui fait non, c'est magnifique. Bah, oui, j'adore, depuis que j'aime la guitare de 12 cordes. Jean-Jacques, comment, lorsqu'on a fait 2 ans de médecine, quand on a fait pharmacie ensuite, et puis qu'on termine, donc vous avez fini votre cycle d'études, vous êtes psychologue, clinicien, diplômé, comment fait-on pour se retrouver sur scène à enregistrer des disques? Le chemin dans les années 80, ça s'est fait comment? Une fois la fin du bal, tout ça, la fin des études, je suis venu à Paris, mais en touriste, hein, parce qu'à l'époque, c'était pendant les vacances scolaires. Vous étiez diplômé déjà? J'étais diplômé. Vous aviez un cabinet vous, ah non, vous pas du tout. J'ai fait quelques petits stages dans des hôpitaux psychiatriques. D'accord. Quand je dis ça, ça fait peur aux gens. Mais non, au contraire, c'est un parcours qui est tellement atypique. Complètement atypique. On a juste envie de vous écouter raconter ça. Donc, on sort de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Vous raccrochez la blouse blanche et vous arrivez ici. Voilà, c'est ça. Donc, et ça tombait pile poil où je rencontrais des gens par hasard, puisque moi, j'étais vraiment que de passage. Dans le début de mon premier pas dans ce métier, c'est une porte qui s'ouvre. Quelqu'un qui a été déterminant dans ma carrière, Jeff Barnell. Jeff Barnell, qui a écrit nous sommes à la SACEM, la maison des auteurs et des compositeurs. Quelqu'un qui vous a produit, quelqu'un qui a créé, alors on va le resituer pour le grand public, qui a fait les plus grands tubes de Dalida, Mourir sur scène, Salma Ya Salama, j'en passe et des meilleurs. Qui vous a produit et qui a écrit aussi, qui a composé Le Géant de papier. Alors, il entend, je crois que c'est votre voix qui au départ l'a complètement séduit. C'est ça parce que j'étais dans une petite salle fermée, et je faisais écouter mes chansons à un éditeur. Un éditeur qui n'habite pas très loin d'ici. Et Jeff Barnell passait par là, il ouvre la porte, il dit « Qui c'est qui chante ? Je veux absolument produire cet artiste. » Ça, c'est digne d'un conte de fées. C'est dingue. Et puis depuis, il ne s'est pas quitté. Il vous a produit ? Il m'a produit. Alors, voilà, avec les chansons que je faisais écouter à l'éditeur. Et dans ces chansons-là, il y a Le Géant de papier que Jeff avait composé, mais il y a toutes vos chansons à vous. C'est beaucoup mieux comme ça, tout ce qui a fonctionné à l'époque. Un mot pour un autre, qui a été votre premier succès. Oui. Elle voit une chanson aussi. Elle voit. Ça, c'est Jeff qui a écrit cette chanson. Sur un texte de Sylvain Lebel, je crois. Exactement. Parce que dans ce premier album que j'ai enregistré, que m'a produit Jeff, il manquait une chanson. Et Jeff m'a dit, j'en ai une, je vais te la faire écouter. C'était le Géant de papier. Et qu'est-ce que vous avez dit lorsque vous avez écouté cette chanson? Oui, on va la faire. Parce que c'était mon producteur, il fallait bien lui faire plaisir. Mais vous n'aviez pas été plus non, pas plus que ça. Je n'avais même pas fait attention au texte, j'ai chanté ça comme ça. Ça vous avait pas... La chanson a été faite, on est rentré en studio chez Bernard Estardi, parce que c'était quelqu'un qui allait très très vite pour écrire des chansons. On est rentré le matin à 9h, petit piano de base. Je chante, Bernard termine l'arrangement. 18h30, mixage, 20h, terminé, la chanson terminée. Le Géant de papier, tel que vous l'avez entendu, ça a pris une journée. Et vous, ça ne vous emballait pas plus que ça? Non, mais personne. Même l'attaché de presse, on a dit, on va mettre C'est beaucoup mieux comme ça, on verra après. Et C'est beaucoup mieux comme ça qui est sorti en premier? En premier, C'est beaucoup mieux comme ça qui est sorti en premier. Donc ce n'était pas le Géant de papier qui était destiné à devenir ce qu'il est devenu.
Alors, est-ce que vous savez, au rayon des anecdotes, et je suis sûr que vous le savez, cette chanson avait été proposée, je crois, à de nombreux artistes. Oui, plein d'artistes. Ça fait 9 ans que Jeff l'avait dans le tiroir. Il était content de me trouver. En plus, l'auteur, Sylvain Lebel, voulait que ce soit quelqu'un qui ait une voix grave qui chante cette chanson. Je crois qu'elle a été proposée à Michel Sardou, elle avait été proposée à Gérard Normand, à Demis Roussos. Ils disent que ce n'est pas vrai aujourd'hui. Mais bon, ils sont passés à côté. ça arrive au plus grand. Enfin, oui. Et vous, donc, voilà, vous la faites gentiment, quoi. Voilà, gentiment, tout ça. Et puis ça a été vite fait. Donc, vite fait, bien fait. C'est beaucoup mieux comme ça sort. Voilà. Cette chanson va avoir une deuxième carrière au Québec. On en parlera après de votre attachement. Votre attachement pour le Québec et l'attachement du public québécois pour vous. Oui. Vous êtes vraiment une star là-bas. Et cette chanson sort, on est en 1984. Oui. Bientôt 31 ans, quoi. C'est ça. Et 31 ans, l'anniversaire de cette chanson, c'était à l'été d'ailleurs. Et vous vous retrouvez du jour au lendemain vedette. Comment ça se vit, ça? Mais c'est pas facile pour quelqu'un qui vient de Toulouse, qui est resté toujours à travailler, machin, tout ça. On arrive, il faut faire une télé. Comment on fait? Comment il faut s'habiller? Comment il faut se coiffer? Les problèmes commencent à venir. Il n'y en a que des critiques autour. Donc, et vous arrivez toujours à garder ce second degré, moi que j'adore chez vous, mais cette espèce de deuxième degré tout le temps, vous l'avez toujours gardé, même au moment où le succès était le plus pesant, le plus... Je l'avais, mais un jour j'ai fait une émission de radio, j'ai dit des conneries, comme je dis, c'est ce qui me caractérise. On ne dirait pas, mais c'est ma nature profonde. Et aujourd'hui, Jeff Bardell, aujourd'hui, votre producteur, il a dû adorer ça. Il n'aimait pas trop. Et donc, j'ai fait une grosse bourde un jour en radio. J'ai été interdit d'une radio pour une plaisanterie. D'accord. Mais voilà. est-ce que ça... Donc, depuis, calme. Est-ce que ça vous ennuyait de voir que c'était une chanson, la seule chanson que vous n'aviez pas composée dans cet album, qui marchait du feu de Dieu en premier? Est-ce que ça vous a ennuyé, ça, ou non, vous en acceptiez l'augure avec détachement? En riant, j'acceptais. Parce que je me suis dit, peut-être que je ne suis pas un bon compositeur. La seule chanson qui marche, ce n'est pas la mienne. Il y a beaucoup de vos chansons qui ont fait le tour du monde depuis là. Donc bon, c'était pas le propos. Mais ce rôle de romantique, on va pas en faire mystère. On a la chance de se connaître un petit peu. Vous êtes quelqu'un de très drôle, qui a énormément d'humour, énormément de recul sur lui-même. Oui. Vous retrouvez dans ce rôle de romantique avec le brushing et tout ça. Ça vous a pas un peu pesé à l'époque? Non, mais à l'époque j'étais vraiment réellement comme ça. J'avais deux personnalités. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais là, dans mon rôle, je ne pouvais chanter que des chansons. J'étais dans le spleen, tout ça. J'étais très mélancolique. Et avec cette voix que beaucoup de critiques comparaient, et c'était un compliment, à celle du regretté Richard Anthony. On disait que vous aviez un timbre absolument exceptionnel. D'ailleurs, même Richard, que j'ai eu la chance de connaître sur la tournée, m'a dit « je suis très content de te connaître ». Et cette chanson, quand j'ai entendu Le Jean de Papier, j'étais fou, je voulais la chanter, moi. J'en aurais fait un méga tube, mais tu l'as fait, je suis très heureux pour toi. Donc. Richard m'a dit qu'il était fan de cette chanson et de ma voix. Et il m'a dit, c'est vrai qu'on a un peu la même timbre. Merci d'avoir pris le temps de venir. Avec plaisir. J'espère qu'on vous connaît un petit peu mieux maintenant. Mais merci beaucoup. Suite à ce rendez-vous. Et on vous souhaite bonne chance pour Duo d'amour et confidence et pour toutes les aventures que vous avez encore envie de mener. Merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Jacques. Merci. À bientôt pour un prochain rendez-vous de Mélodie de ma vie. Bye bye.